Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Une fois n'est pas coutume, on se retrouve pour un vlog. À la différence que celui-ci ne se passe pas en France comme d'habitude. On a voyagé, on est parti à Abu Dhabi, on a traversé le monde entier. L'aventure qu'on va vivre ici est complètement folle. Ça va être sous forme de plusieurs épisodes. Là, c'est une mini-série Netflix. Et j'espère vraiment que ça va vous plaire. J'ai parlé trop vite. C'est un mec, hein. Je suis pas ici par plaisir, d'accord? Je suis ici pour le travail. Qui dit travail, dit travail. Ça, je te le fais pas dire. Mais ça veut aussi dire que j'ai pas mon temps libre illimité. N'empêche qu'on va quand même avoir le temps de faire pas mal de choses. Et heureusement que je suis ici par le travail, parce que je vous le rappelle, je suis toujours dans la team pauvre et j'aurais jamais pu me payer un voyage ici par mes propres moyens. Donc c'est une bonne chose. On va éviter de faire une intro trop longue parce qu'il y a beaucoup de choses à faire ici. On va partir directement pour la première activité, qui est ni plus ni moins que SeaWorld. SeaWorld, qu'est-ce que c'est? Mais tu vas le voir, connard. Un peu emballé, un petit peu emballé. Enfin, c'est un zoo aquatique. Voilà, c'est plus un zoo aquatique. Et il paraît que c'est magnifique, donc on y va directement. Let's go! Et on est dans le taxi maintenant. Avec le frérot, il est hyper sympa, le gars du taxi, ça fait bien plaisir. L'occasion pour moi de vous parler un petit peu des taxis ici, c'est le rêve. Si tu sors en ville, tu ne te poses pas la question, est-ce que je vais trouver un taxi? C'est, il y aura un taxi. Par exemple, si tu vas faire tes courses, tu sais qu'à la sortie du magasin, il y a tout un hall de parking où tu peux trouver le taxi. Le taxi est pas cher, ça c'est chouette parce que ici on se déplace pratiquement que en taxi, même les locaux ils se déplacent en taxi. Autre chose qui est un peu spécifique ici, c'est que les lois ici sont très strictes, notamment pour la vidéo. Okay. Je peux pas filmer comme je veux ici. Je peux pas me balader dans la ville, pas prendre la caméra et vlogger comme un tocard comme je fais d'habitude. Ça je peux pas. Donc là le taxi m'a autorisé à faire la vidéo, mais je lui ai demandé avant. D'accord. Sinon je peux me faire détruire, je peux me faire ouvrir en deux. Les Émiriens ils rigolent surtout pas avec ça, et encore moins avec les étrangers. Et moi je suis un petit étranger. So how many time for come? 15 minutes. 15? Ok. Mon anglais est catastrophique, mais bon. So you're from Pakistan? Pakistan. Okay. How many time you're here? 10 years. 10 years? You stay here for how long? More? Yeah. More, maybe 4 years. 4? Okay. So 14 in global. Your family stay in Pakistan and you're here. Okay. Okay. Do you like friends? Yes. Yes, you like? Yes. Do you? You can? No, you don't speak. Yes. You don't speak. Okay. Very nice people. Yeah. We are very nice people. Yeah. Number one tourist. Malaysian. Why? I don't know. No way. Yeah. I don't know. I don't know. France and Germany is number two. Okay. Number three, China. Yeah, China. Yeah. I see many people from China. Exactly. Yeah. Les Chinois, pour moi, ils sont numéro un. Je vois que ça. Après. Ils sont facilement reconnaissables. C'est raciste. Non, je crois que ça va. You suspense. Oh, my YouTube channel. Yes. I'm a little YouTuber. Hein? Yes, no problem. Yeah, I'm a little YouTuber. Ça, c'est ma chaîne YouTube. Même vous qui êtes en train de regarder la vidéo, abonnez-vous, faites comme lui. What is your name? My name is Sef. Sef? Yes. Faites comme Sef, abonnez-vous. Okay, it's me, it's my channel. It's okay. If you want to subscribe, you can. Yes, my friend. Yes, you can. And do you know SeaWorld? It's new. Exactly. Yeah? Yes. Okay. Before, maybe 3-4 months. Start. Okay. Oh, 3 months? Yes. Okay. Regardez, ça a l'air big. Ça a l'air vraiment big. La caméra, elle est en train de surchauffer parce que ici, il fait 58 degrés à l'ombre. Ok, so. Ok, 63.
you can keep the tips. It's for you. You won't say hello for the people who see my video? Yes, yeah. Yes. Bonjour. Bonjour. Les gens. Gens. Yes, exactly. Perfect. Bonjour les gens. Bonjour les gens. Yeah, perfect. Bonjour les gens. Yeah, perfect. Yeah, thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Have a nice day, sir. Yes, have a nice day too. Thank you, sir. Thank you. Welcome. That was a pleasure. Yes, bye. Oh mais quel frérot. Quel frérot celui-ci. Ok, l'avantage là où on a été bon, c'est qu'on est venu très tôt le matin, comme ça on est à peu près les premiers à rentrer, et ça va être chouette. Hello, good morning. How are you? Good. Yeah. I want one ticket, please. Yeah. Yes, I'm looking. Yeah, yeah. For my YouTube channel. I need your YouTube channel so I can subscribe. Really? Yeah. Yes. But I speak French in my video. Yes, French. Yeah. You speak French? No? I don't, but no. I kind of want to learn. Yeah? Okay. I paid and I will see you my YouTube channel if you want. Thank you. It's my ticket, yeah? Yeah. I'm gonna get your YouTube channel. Okay. So my YouTube channel is Icarax. So if you want. Yeah, sure. You leave it there. You, like you're saying your Instagram accounts and you want my Instagram? Yes, well. Yeah, too? Yeah. Each other around here. Okay, so my YouTube channel and my Instagram. Okay. Okay. Enjoy. Okay, thank you. Have a good day. Have a good day, sir. Thank you. Tout le monde veut s'abonner à ma chaîne YouTube ou quoi? Mais ils ont pas compris que j'étais français et qu'ils vont rien comprendre dans mes vlogs. Première désillusion, à l'entrée on m'a fouillé. La caméra c'est ok, par contre le micro c'est pas ok. Le micro c'est pas ok, je sais pas pourquoi je peux filmer mais je peux pas parler avec un micro. Donc j'espère que le son il sera pas trop dégueulasse. Et au pire je parlerai fort, je gueulerai. C'est leur faute, ils m'ont pris le micro. Je suis dégoûté, pourtant j'ai essayé de négocier hein, les gars. Et j'ai négocié en anglais. How I supposed to make a video if I don't have a microphone? J'ai l'impression qu'on ne négocie pas avec les Émiriens. C'est joli que c'est joli. Oh mais c'est un truc de zinzin ici en fait. C'est beau ma frasque, c'est beau. Oh là là, et on vient juste d'arriver, j'en prends plein les mirettes. Hein. Ils ont pas lésigné sur les moyens ceux-là. Oh mon dieu. Ah, attendez. On va être organisé parce que moi j'ai tendance à très vite m'éparpiller, ok? On va commencer tranquillement avec, je pense... Allez, micro océan. I'm begging you, so put your loving hand out, baby. I'm begging you. Alors j'ai commencé par l'endroit pour les enfants. Putain, par contre c'est joli, hein. Oh ma race, mais j'ai envie d'être un enfant. Mais j'ai envie d'être un enfant. N'aie pas peur mon petit bébou, je vais pas te manger. Alors là, je comprends pas. J'étais dans un aquarium il y a 5 minutes et là, je vais décoller vers l'espace. Je vais décoller vers l'espace là. Ici là, il y a des petites marches et je me suis cassé la gueule. Oh, est-ce qu'on se ferait pas une petite pause boisson là? Hey boss, I would like something for a drink. I can take? Thank you. Un Pepsi Zero parce qu'on fait attention. By cash. Yeah. Thank you, sir. Have a good day. Hi. You good? Yeah?
J'aimerais bien savoir s'il y a des petits shows ou quoi, où ils vont nous faire... Peut-être ils vont nous faire danser les otaries, ou ils vont nous faire caresser des dauphins, ou des trucs comme ça, là. Je pense qu'après la petite boisson, on va aller demander à un mec. Hey, sir. Yeah. I have a question. Do you know there is a show time or... Dolphin show. Dolphin show here? Yeah. Yeah? Yeah? It's yeah. When? Yeah, I think at times in the morning, 12:30, at times 12 o'clock. 12 o'clock? Yeah. Putain, donc en fait, ici, il y a un show de dauphins. Il y a un show de dauphins et apparemment, ce serait à 12. Faut pas le rater, les gars. Il faut pas le rater. Moi, je veux voir soit des dauphins, soit des sharks. Je pense qu'il y a un show de d'otaries ou de fuck. Je sais pas comment on dit, les fuck, les motherfuck. Un petit show de motherfuck. Ça, c'est le genre de parc en famille, tu te régales. Il n'y a pas d'attraction de zinzin là où tu montes, tu descends, tu mets couilles. Juste, tu te la fermes, t'en prends plein les mirettes, tu vois les poiscailles et t'es très content. Faut absolument que je vois aussi s'il y a moyen de caresser un putain de dauphin. Putain, ça, c'est dans ma checklist. Avant de mourir, ça pourrait être bien de cocher cette petite case. Fermé, entrance 3, troller parking, j'y comprends rien. Là on est en train de se perdre, clairement on est en train de se perdre. Je suis dans le biome tropical et je suis en train littéralement de me perdre. Oh non, attends. J'ai le droit ça de toucher ou c'est un professionnel qui doit faire? C'est factice hein. Regardez-le celui-ci. Oh, le patapouf. Wow. Le patapouf. Oh, regardez. Wow. Oh, il est énorme le bâtard. Oh, mais il a un Kong. Il joue avec un Kong. Comme les petits chiens. Oh. Oh, ce bébou. Ce bébou, oui ce bébou, oh là là, il m'aime. Oh, qu'est-ce qu'il m'aime. Wow. C'était pas... C'est quand même pas sa pépette, ça. Wow. Oh, mais il y a des dauphins là-bas. Oh, faut aller. Je viens de parler à un mec, il m'a dit que là, on peut aller toucher les dauphins, avec des petites mimines là. Mes petites, moi je suis beaucoup trop excité, on va se calmer. Ok, pour vous tenir au courant, pour les dauphins, ça va être possible, ça va se faire, on va toucher des dauphins, je vous le promets. Mais, il faut aller à One Ocean. À One Ocean, je rencontre la personne qui s'appelle Price, comme le capitaine Price. Et à Price, je lui dis, ok Price, I need to touch a dolphin, I book for reservation for touch a dolphin, motherfucker. Après, je reviens ici pour toucher le dauphin, et on peut toucher les dauphins, et même leur donner à manger. Phew, oh là là. C'est bon, j'ai mon booking pour le dauphin. On est entré par l'entrée des artistes. C'est pas comme ça qu'on dit, ça veut dire un autre truc, je crois. On va dire qu'on est passé par l'entrée des artistes. Hello El Sancho de la Vega. I want a pizza pocket, please. Une fois n'est pas coutume, on se retrouve pour manger. Alors les dauphins, qu'est-ce qui s'est passé pour les dauphins? Les dauphins, je les ai vus. Ça, d'accord, je les ai vus, je les ai touchés. Je leur ai donné à manger, etc. Ils étaient très contents de me voir. Il y avait un dauphin qui m'aimait beaucoup, qui s'appelait Sky. Donc j'ai accompli mon rêve, pas de soucis, pas de problème. Sauf que, il faut savoir que ici, à SeaWorld, du coup, tu payes l'entrée du parc.
tu peux avoir un pass annuel, etc. C'est pas mon cas, donc j'ai payé mon entrée comme tout le monde. L'entrée c'est 390 dirhams, ce qui équivaut à 90 euros à peu près, donc c'est quand même un budget, d'accord. Je vais au dauphin, on me dit qu'il faut réserver pour pouvoir faire ça avec les dauphins. Pas de soucis, je vais là où on réserve pour les dauphins, elle me dit de payer. Bon, je m'y attendais un petit peu, elle me dit 195, c'est à peu près 50 euros. Donc je paye l'entrée de mon parc, je rajoute 50 euros pour aller toucher, voir, donner à manger aux dauphins, etc. Après, ça, je comprends, ça reste un budget, on le fait pas souvent, donc j'y vais. Ok, on tombe sur un mec hyper sympa qui nous explique, qui joue avec les enfants, il nous emmène jusqu'aux dauphins. En même temps, il nous raconte quelques blagues en anglais, donc j'ai tout compris parce que je suis littéralement bilingue. Et une fois qu'on arrive aux dauphins, il nous dit, videz vos poches, posez vos sacs, vous prenez rien avec vous. Comment ça on prend avec nous? Moi je fais, ben non, je prends ma caméra moi. Mais non, donc déjà je peux pas prendre mon téléphone pour faire de photos, je peux pas prendre ma caméra pour faire de vidéos. Ça me fait un peu chier parce que du coup je peux pas vous montrer ce moment, mais c'était quand même archi cool. Les dauphins ils nous applaudissaient, ils nous faisaient coucou, ils nous faisaient des saltos, ils nous éclaboussaient, machin, c'était super chouette. Mais bon, je trouve que c'était un peu cher pour la prestation qu'on nous a donnée. Et il y a un mec qui prenait des photos, donc moi je veux avoir une trace de ça. Vu que je peux pas prendre ni mon téléphone, ni ma caméra pour filmer, bah le mec qui prend les photos c'est le seul moyen que j'ai pour immortaliser ce moment. Du coup, je vais voir le mec, je lui dis, bon, moi je veux prendre les photos quoi. Une, c'est 110 dirhams, c'est 25 euros. Si tu veux choisir deux photos, c'est 200 dirhams, qui équivaut à peu près 50 euros. Et si tu veux toutes les télécharger, c'est 300 dirhams, qui équivaut à 70 euros. Mais c'est une photo, mec, c'est une photo. Du coup, moi j'ai pris une photo parce que faut pas abuser non plus, je suis pas riche. Pour la télécharger, faut que t'ailles ici, sur ce site et tout. Donc je vais sur ce site, j'ai accès à toutes les photos, j'ai tout téléchargé, j'ai pas compris. Donc ça veut dire le mec, il prend toutes les photos, il paye 300 dirhams, bah il a exactement la même chose que moi qui ai payé 100 dirhams. Ça, par contre, c'est un attrape-couillon. Bref, en comptant l'entrée du parc, plus les dauphins, etc., j'ai payé 180 euros. Ça pique. Là, franchement, ça pique et je sais pas si ça les vaut. C'était très chouette, mais je sais pas si ça vaut 180 balles. Mais enfin, c'est ici que... C'est ici que va s'arrêter la première activité, à mon avis. Viens, viens. Ah. On est parti pour le wild surf, kitesurf. Wakeboard. Wakeboard, t'es sûr? C'est pas marqué ça. Du skiboard. Du wake surf. Wakeboard. On va faire une activité aquatique, mais on sait pas où c'est pour l'instant. On a été posé. Tu sais quoi, le truc noir m'inspire. Ok, let's go. Follow me, I'm the guide, follow me. Just come on. Stay here, stay with me. Don't be afraid. Don't be afraid. I know this place. I know this place. I'm your guide today. So, ok, so it's ok. D'accord? Ah oui, t'as entendu, il me semble. How are you? Fine, you. Yes. What's your name? Santos. Santos? Yes, nice to meet you. Nico. Nico. Nice to meet you. Nice to meet you. Just you can keep your shoes here. Tant qu'à être pieds nus. J'ai très honte de mes pieds. Hop. C'est normal d'avoir des pinglots comme ça là en fait. Regarde, regarde ça, regarde, regarde ça. Je peux les coiffer. One minute, hein? No problem. J'ai aucune envie de toucher cette eau. Très important, votre cigarette, vous l'achetez pas n'importe où, d'accord? Vous êtes fumeur, et bah vous jetez pas votre mégot n'importe où. Tu peux le ramasser maintenant. Il est pas mal son petit bateau. Bah son petit bateau est sympa, ouais. Son petit bateau est chouette. Qu'est-ce que tu fais? T'es giga con, mec. C'est vrai que cette activité, elle est vraiment à double tranchant. Genre soit c'est t'as un petit niveau et c'est super bien, soit t'es rincé et franchement tu passes un moment de merde. Non, ça va quand même être marrant même si on est rincé. Non, je vais pas passer un bon moment, moi je te le dis. Tu vois mon ego de merde. Genre si je fais que tomber, si j'arrive pas à me lever et à tenir, je vais mal le prendre. En gros, avant, est-ce que tu veux que je te préchote les explications que j'ai eues il y a longtemps quand j'en ai fait pour la première fois? Oui, moi j'en ai déjà fait, si tu veux je peux t'expliquer. Et bah vas-y monsieur je sais tout, vas-y explique. T'as le bras de bateau qui tire comme ça, la planche qui est en résistance contre l'eau. Et en fait au fur et à mesure du bateau qui l'accélère, tu pourras te redresser un peu. Mais faut rester gainé et tout et voilà. C'était vraiment des super explications. J'ai envie de pisser. Ouais. Bah mec, est-ce que tu vois mes lunettes de soleil quelque part? Non. Bah je crois que je les ai oubliées dans le taxi.
J'ai l'honneur de t'annoncer que j'ai oublié mes lunettes de soleil dans le taxi. Oui, j'ai envie d'aller dans son bateau là. Il y a plein de... Il a l'air confort. Petit ici, petit salon, voilà, très spacieux pour accueillir des invités. Ah, je peux ramener ma science. Peux ouvrir. Ça c'est un bain de soleil. Oh, ouais. Oh putain mec, tu vas me dégoûter si tu fais des trucs comme ça. Oh là là. Oh, ça va m'écœurer. Ça c'est la proue, ça c'est bâbord, ça c'est tribord. Souquet des Artémus, on y va, d'accord? C'est comme ça normalement qu'on dit. Alors Souquet des Artémus, c'est inventé en fait, c'est pas vrai. Oh putain, mais quel tocard, mais vraiment. Tu vois, je suis en train d'apprivoiser l'eau là. C'est la première fois que je mets les pieds dans l'eau ici. Chut. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu me sens? Ouais. Je la sens là. Ah, je la sens bien là. Oh, je la sens. Ouais, donc en fait, t'es en train de me dire que le chemin qu'on va faire va dépendre du nombre de fois où je tombe. Bah, en fait, on n'y va pas pour faire un chemin. Bah, j'aimerais bien, moi. En même temps. Fallait payer un tour de bateau. Bah non, parce que je veux faire mon truc, tu vois, je veux faire mon slide. Mais en même temps, profiter du paysage et... Tu vois? Sinon, tu fais ça dans une piscine. T'es con, quoi. Faut aussi qu'il y ait une vue, faut qu'il y ait... Enfin, il y a un cadre, là. On fait ça à Abu Dhabi, on est en train de faire du wake surf, là, du wakeboard, le truc aquatique, à Abu Dhabi. Peut-être, on va faire ça, et sur le côté, il y aura des buildings. Des buildings, you know? You know the building? Spoiler the building alert, of... spoiler alert, non. The building of the city. Bah, je suis désolé, mec, sur le site, et bah, il y avait oui, mais il pas de building. Il y avait... C'est vrai qu'il n'y a pas de building. C'est vrai qu'il n'y a pas de building sur le site, mais moi, j'y crois, d'accord? How many times for go? What? He come now? Il y a un problème de batterie, du coup il y a un mec qui doit arriver, c'est ça? Ouais, il y a un mec qui doit arriver, sauf qu'il n'arrive pas à nous dire quand est-ce qu'il arrive. Bah, du coup, on se fait ça quand? Bah, semaine pro. Afternoon? After this morning, we work. So we can do this next week? No problem, of course. Definitely. Yeah, Wednesday. It's possible Wednesday? I will give you 10 minutes more also, no problem for you. What? I will give you more time also, my side. Okay, thank you. Sorry for this one happened, but bro, I don't no know. Okay, I give you the, I send you a message. Yeah, no problem. Yeah, yeah. No problem. Thank you, bro. Sorry for this one. Okay. No problem. Yeah. No problem. Sorry, so yeah. See you next week. Definitely, bro. On my side, I will give you more time. Okay. Okay. Yeah. Thank you. Okay. Mec, je suis dégoûté en fait. Je suis dégoûté. Regarde, je transpire comme un porc. C'est le matin. Je me suis levé un petit peu plus tôt pour setup tout le matos, la cam et tout. J'ai payé 25 balles de taxi. Le pauvre petit Santos, il était complètement dégoûté, donc... Et du coup, là, on n'a plus qu'à attendre mercredi. Donc à savoir dans un cut pour vous. Et puis bah nous, c'est dans une semaine. Donc bah à toutes. Voilà. On était dans le taxi, très déçu. On était en train de faire demi-tour pour rentrer à la Casa. Quand tout à coup, Santos m'appelle. Yeah guys, the boat is not broken, so you can come back. Et bah du coup, nous revoilà, come back pour Santos. Santos, you are here. Le mec, il m'a fait un signe en mode comme ça. Et le bateau, il va bien. Hein. J'ai pas de coup de Trafalgar, Santos, là, je te jure que c'est vrai. Je te jure que s'il nous fait un coup de Trafalgar, mec, je pense que je peux me mêler, en fait. Je pense que je peux le taper. Émirat, pas Émirat, je le tape. Hein. Je vais lui demander s'il y a des toilettes. S'il n'y a pas de toilettes, je vais être obligé de me pisser dessus. Hein. Genre rien à foutre. Hein. Sinon, je vais pas profiter de l'activité. Je vais être obligé de me pisser dessus. Mec. Hey Santos! Sorry, it's okay. The boat not broken. No. Just one wire is loose. I fixed that one because of starting. Thank you for okay. Back. Okay. Thank you. There is a toilet here. No. Washroom. Yeah, you go to yes. You can jump in the water. Yeah, in the water. Yeah, in the water. Oh, Santos, c'est pas écolo ça, hein. Putain. Et c'est lui qui me dit de pisser dans l'eau. C'est un malade. Ah, we are beginners, so beginner. We don't know. First time? Yes. For me, his first time. For me, it's my first time. And you did before? When I was kid. Ah, okay, no problem. So.
It's fine. No, YouTube. YouTube. Yes, YouTube. Ah, okay. Very, very famous YouTuber in France. Ah, okay. No, no, no. I'm joking. Just send me that one. I will do for the subscribe, okay? Yeah. Oh, sure. Yeah. Okay. One more. Est-ce qu'on viendrait pas de gagner un abonné? No problem. I will tell my friends and other my colleagues also. Oh, thank you. Thank you very much. You very quickly, RJ? Yeah. Okay, come. Je pisse et j'arrive. Je pisse, Santos. You can go there in the boat. You can take the videos and he will come here. Okay, Santos, I finish? Yeah. I come. Yeah, I come. Ah, il me donne une douche. Oh yes, like that. Oh, perfect. Perfect. Oh putain, et comme on est bien sur ce bateau. Not too bad, it's very good. When you stand up, roll the back. Stand up, stand up, stand up, stand up. Yeah, one more, one more.
Thank you Santos. Hope you enjoy all of it. Tu m'as un peu dépucelé Santos hein, si tu m'as dépucelé. You're my first time. Ah. You're my first time. Ah ouais. Wow. Oh. Yes, Icorax. It's me, my YouTube channel. Go to Dubai in 1 or 2 weeks. Okay, I think. Attention Santos. Be careful. Okay. Thank you very much, Santos. You're the best. Thank you, bro. See you again, okay? No problem. Yeah. Thank you very much. Oh bah nous les petits loups, je vais vous laisser parce que là on est quand même bien, on est fatigué. Là, je suis éteint, ça m'a crevé. J'étais bon, mais ça m'a crevé. Allez, bisous. Aïe, 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 aïe. Oh bâtard. Oh, une française. Oh, le film de pute. Vous voulez tous m'énerver aujourd'hui, c'est terrible. Ton petit côté agressif, tu le mets de côté, d'accord? Non mais là, je te jure, on va mourir. Allez.